Bonjour et bienvenue à l'émission En route vers l'Ouest avec de la diversité musicale country. Sylvie Bédard et Carole Renaud. C'est pas un jour d'envie de voir m'arrêter. Ça arrivait vite, ça me frappait fort. J'ai pas eu le choix, drôle de hasard. Retrouvailles obligées, retraite forcée avec moi. J'ai tout mon teint, j'ai trop de teint. Je me rappelle plus en avoir eu autant. Que si tu fais à pas travailler, moi ça fait 30 ans que je passe à rouler mes jours. Mes chemins de gravelle à m'oublier, à perdre ma petite légende personnelle. C'est pas compliqué, il faut jamais s'arrêter. Je suis un go-truck, oui j'avance, puis je fais ma loque. Je me lève encore avec l'aura tous les matins. Je sens mille dans ma tête, mille kilomètres de pensées qui s'empilent. Ce pauvre castel, je voyage à l'année, je traîne encore mille autres du passé. Je suis bien chargé, je veux monter la côte, même dans la neige, même quand il fait pas beau, même quand ça me tente, puis par toute jambe, j'ai pas le droit. Ben installé avec moi, j'suis en morceaux, j'suis brisé, j'suis sa voix d'accotement. J'suis avec moi pour l'instant, puis j'attends. Mais crée-moi, c'est pas ici, je m'arrête, il me reste un peu de force. Moi j'm'en vais me conduire sur le chemin malheur. J'ai la vue sur mon ordi, puis je cherche la vie dedans. J'appuie sur des boutons, puis je regarde le temps. Flotte ça et demi, m'en va poser avec le staff. On va chialer en prenant notre café. As-tu vu dimanche à TV? Qui sait, tu manges, toi, pour souper? Il est trop tard, faut retourner. J'ai vu le boss passer, mais c'est sûr, des fois j'en ai mon voyage.
assis sur ma chaise à roulettes tous les matins et je rêve de plage. Séjour la marmotte à la Milan. Je partirai baisse à droite, courir après mon nom. J'ai vu une fille sur internet à tout lâcher. Je sais pas comment elle a fait pour se sauver de son quotidien. Il paraît que là-bas, il fait beau à tous les jours. Paraît que les oiseaux volent en hauteur sans faire de détour. Un coup de cœur l'an passé, ça m'a fait plaisir de l'entendre et on la réinvite aujourd'hui. Merci d'être là, Cindy Bédard. Hey, merci de l'invitation. Tu travailles sur un deuxième album déjà. Le premier quand même a fait sa place avec Ça passe ou ça casse. Les stations l'ont bien joué, cette chanson-là. Oui, ben, ça a passé. Tout a marché. C'est qu'on tricote le deuxième album déjà avec un esprit un peu plus festif, je pense. On est déjà festif aussi, mais c'est vrai que le premier album, il y a beaucoup d'ambiance en réalisation, puis les chansons... Oui, puis il y avait un peu de mélancolie aussi dans... T'as fait tes deuils, là, c'est correct. C'est ça, tout est fait, maintenant ça va bien. On pense que le party, c'est correct, voilà. J'aime ça bien. Une fille de 5 titres. Ben c'est ça, c'est que là, on va pouvoir plus danser, puis taper des mains, tout ça. Puis je suis bien contente, puis c'est ça, c'est que Fille du vent, on continue à faire les spectacles, tout ça, mais là, on se penche vraiment sur le deuxième album, puis on veut, c'est ça, c'est très festif en famille aussi avec mes musiciens, puis on est toujours dans le country avec... c'est ça. Donc, j'imagine on va retrouver encore l'harmonica, étant donné que tu en joues. Ça fait une de tes couleurs, en fait. Mm-hmm. Tu joues bien la guitare. Est-ce que tu joues aussi d'autres instruments ou tu te laisses aller sur d'autres choses? Je me commets pas. Dans l'intimité, oui, là, mais sinon pas sur scène. Là. Je laisse ça, mais... l'intimité, c'est qui? C'est quel instrument? Je peux pianoter un peu, là, puis j'ai un banjo, mais faut que je donne de l'amour à Monsieur Banjo. Là. Ouais, faut que je m'y mette. Mais en show, là, c'est vraiment ça, l'harmonica, puis la guitare, je suis complète. Là. Je sais pas. Avant ton premier album, tu performais où, en fait? Tes débuts, ça a été comment? Ça a été où? Donc, ça a été quoi le chemin? Bien, ça a commencé de bonne heure dans mon chez-nous à Saint-Tite, à Country Tech, où on s'est rencontrés à Galaxy. Puis c'était les concours amateurs. C'est-à-dire que moi, j'allais pousser des chansons avec le husband. Puis après ça, j'ai appris la guitare, je me suis mis à faire mes compositions. Puis ça a toujours été dans le folk, des fois un peu plus, mais aussi souvent dans le country naturellement. Puis c'est vraiment du petit à petit, après avoir fait Festival de Granby, Festival par-ci, par-là, des scènes. Puis ça fait un an que l'album est sorti, puis on continue le chemin, ouais, c'est ça le fun. Ça va bien. Et donc, dans l'écriture, t'écris tes chansons chez toi, après ça, t'amènes ça à tes musiciens? Ouais, ça commence chez nous, à côté de mon poêle à bois. L'hiver, c'est une bonne saison d'écriture. D'ailleurs, j'ai entendu quelques chansons de ton prochain album, et le poêle à bois est une chanson C'est toujours de l'écriture très axée sur le présent, ce que je vis, ce qui m'habite. Là, ça que voilà, il y aura des tunes un peu...
un peu drôle, si on peut dire, là, de mes aventures. Mais t'aimes ça, faire des tournures de phrases, t'as de la facilité pour ça, c'est le fun. Oui, c'est dans mon langage de poêle à bois. C'est que c'est ça. Tu devrais dire de fille de fun et non fille du vent. C'est vrai. Oui, finalement, le deuxième, le là, c'est ça, il y avait trop de mélancolie, mais c'est une partie de moi, fille du vent, puis je l'appellerai pas de même, mais ça serait comme fille plus de terre, le prochain. Là. Oui. Il y a quelque chose de plus en restant encore. De poêle à bois. C'est ça. C'est qu'on s'en va là. Oui, voilà, vous savez tout. Je suis mélangé, je sais plus où je dois aller. C'est laquelle mon île? J'ai le cœur qui se bat pour un exil. Un peu de vie vers l'inconnu. Ce serait-il mieux là-bas? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je me sens perdu partout où je vais. M'évader en silence, transparence. Fuir le temps sans penser, tranquillité. Le temps. Entendu la première fois, c'est presque un incontournable. Je vous présente Carole Renaud. Ça va bien? Ça va bien, toi? Merci d'être là à l'émission En route vers l'Ouest. Ça me fait plaisir. C'est vrai que quand même, à Gatineau, là, c'est la folie. Là. Tes oui. spectacles, là, les gens, ils te découvrent. Mais tu as commencé à quel âge, dans quel coin? C'était ton histoire familiale, c'est-tu de la musique? Mon père, c'est un violoneux, puis il chante, puis il joue de la guitare aussi. T'en joues-tu aussi? Quand je suis bien sous, mais... On... j'ai l'impression que je joue mieux quand je suis sous. Moi, c'est la mandoline. Ça, ton oreille, elle te donne... Non, c'est ça. Moi, j'ai appris les rilles de mon père. Je les ai appris sur la mandoline, justement, pour ne pas perdre ça. Mais j'ai joué de la bass, de la guitare, tout ça. J'ai commencé à jouer, j'avais 8 ans. Mon premier spectacle à 13 ans.
puis je suis allé de reculons un peu. Je m'en allais jouer de la guitare. Mon père a dit, il est capable de chanter. Fait que j'ai chanté, puis... Mais t'as fait les bars, t'as comme... J'ai fait des bars, j'ai eu un band rock pendant 4 ans. Je chantais loin du ici. Country, là. Très loin, oui. Ici, DC, puis Guns N' Roses, là. Les veines ici, puis dans le front, là, c'est ça. Les cheveux jusqu'ici. Les veines, c'est ça. Puis, j'ai grandi dans le country avec mon père, le violon, tout ça. T'es revenu comment dans ta vie? Quand j'ai arrêté de jouer dans l'orchestre rock, j'ai fait des shows seul pendant peut-être, je te dirais, 8-10 ans. Et puis, je faisais de l'animation aussi sur le train à vapeur Hull, Chelsea, Wakefield. Fait que je jouais de la musique avec d'autres musiciens. Puis, je faisais un petit peu de ci, un petit peu de ça. Puis, finalement, j'ai eu un orchestre country rock dans la fin des années 90, pendant 4 ans et demi. On faisait tourner des bars en Ontario, tout ça. Et puis, quand j'ai lâché ça, j'ai essayé de prendre une sabbatique. J'ai jamais été capable. Puis, tout le temps, quelqu'un, un contrat qui se présentait quelque part ou quelqu'un qui me demandait pour faire de la musique. Mais là, ça fait quelques années que là, tu commences les festivals. Oui. Ça a commencé de quelle manière? Puis c'est tout un addon. C'est Michel Gervais au Lac des Loups qui a organisé le festival. C'était à 15 minutes de chez moi, puis il m'a invité. Il t'avait entendu? Bien, on a grandi pas mal dans la même ville. Ouais, depuis que je suis tout petit, qui sait que je chante. Là, il savait que j'étais dans le country. Fait qu'il dit, on va te donner une place. Ben oui, pourquoi pas? Puis. Ça a eu un boom, là. Bien, la première année, je faisais juste Lac des Loups. L'année suivante, il faisait Lac des Loups et Gatineau. Et puis, c'est le Dan m'a engagé pour Saint-Lin pour l'automne parce qu'il y avait eu une cancellation. Fait que c'est ça. Ça a commencé avec un. Puis... Ça a commencé 1, 3, 7, 13, puis cette année 23. C'est quand même quelque chose. Puis là, tu as commencé à faire tes propres chansons parce qu'on t'a connu avec des chansons américaines. Tu es beaucoup plus dans un style country américain. Oui. Mais là, les gens demandaient du francophone, évidemment. Oui. Comment a été l'immersion, justement, de tu sais, tu chantais tout le temps en anglais? Hein? Oui. Bien, j'ai commencé à écrire quand j'avais peut-être 13, 14 ans. OK, fait que tu traînes des chansons là, depuis. Oui, bien, la chanson titre de l'album chez nous, j'ai écrit ça j'avais 15 ans. Puis, j'en ai écrit au fil des années. C'est vraiment l'histoire de ma vie, cette album-là, parce que c'est des chansons que j'ai écrites depuis l'âge de 14, 15 ans jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu le temps de faire des deuils si tu en avais Oui, oui. Les grosses peines d'amour, les belles slows, puis après ça, bien. Là, tu es en train de travailler un prochain album aussi. Oui, country américain, parce que les gens aiment beaucoup quand je fais du country américain sur scène. Fait que je vais faire un album de cover. Puis ensuite, je vais ressortir un autre album d'original, mais moitié anglais, moitié français. Qu'est-ce que tu aimes mieux faire, les chansons originales ou les chansons... Ben, j'ai un gros penchant pour le country traditionnel, le country américain. Fait que j'aime beaucoup, surtout avec les orchestres, le full band, le steel guitar, le violon, le piano, tout ça. J'en profite, je me gâte un peu, puis les gens apprécient aussi. Mais je commence à me pousser un peu, à pousser mes chansons à moi. Puis, tu te découvres en même temps. Je me découvre en même temps. Tu fais confiance. Ouais. Ben, je te souhaite bonne chance, puis merci beaucoup encore une fois. Ben, merci à toi. Au plaisir de te voir sur scène. Oui. J'ai apporté la chaleur, le beau temps va apaiser.
ce qu'elle m'a laissé, ma guitare pis mon ampli. Elle m'a pas dit que c'était fini, non, elle est juste partie. Elle a vidé l'appartement pis laissé sa clé sous le tapis. Alors je reste assis par terre à me creuser les méninges et à essayer d'analyser ce qui a bien pu arriver. Elle est partie, elle a tout pris à part deux, trois affaires. Et maintenant je pleure à tous les soirs en regardant passer. On voit souvent au cinéma en rouge à lèvres dans le miroir. C'est fini, je te quitte, où on ne peut plus se voir. Avec mes artistes invités. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. 1, 2, 3, 4.